Les artistes se plaignent qu'ils n'ont pas d'argent, ça l'énervait. Il disait, quand tu as l'imagination, tu peux faire des chefs-d'œuvre à un client. Et c'est vrai, c'est comme si on se plaint qu'on ne peut pas écrire parce qu'on n'a pas d'éditeur, c'est pas vrai. On peut s'éditer à compte d'auteur, j'ai fait ça toute ma vie. Et donc rien ne vous empêche de créer, sauf l'auto-limitation, sauf la censure personnelle, ou alors la peur de l'entourage, ou la peur de dire des choses qui vous retomberaient dessus. Et ça peut se comprendre. Moi, par exemple, je suis en train d'aller beaucoup plus loin dans ce que je dis et ce que je fais, parce qu'étant gravement malade, j'ai rien à perdre. Et c'est une très bonne chose, parce que ça m'amène à aller beaucoup plus loin dans l'expression de certaines choses que j'avais en moi. Et donc, c'est pareil, la privation, la solitude, la difficulté matérielle est très positive pour un artiste. Et la création, c'est pas le confort. Alors, ça ne veut pas dire se martyriser, mais ça veut dire d'abord, un, ne jamais regarder dans l'assiette du voisin, parce que les gens passent leur temps, surtout les Français, à se comparer, à se plaindre qu'ils ont moins bien que le voisin. Et ça, jamais le faire, et faire comme les chiens à bois, la caravane passe, se creuser son sillon. Et Nietzsche appelle ça faire le gros dos. Et il a raison. Ça protège de la jalousie des gens, de leur malveillance surtout. Un jeune homme, par exemple, a commencé à écrire des poèmes. Il va écrire une chanson d'amour. On va lui dire, une chanson d'amour, mais il y en a 1,5 milliard sur la Terre, elle va être nulle, la chanson. Donc tu n'oses pas être mauvais. Il faut oser se montrer au début pas très bon. Et il faut oser refaire des choses qui ont déjà été faites des milliers de fois. Donc il faut se foutre absolument du jugement des autres. Il faut faire la chose parce qu'on a envie de la faire et besoin de la faire. C'est la seule clé. Et il faut être soi-même. Et ce que je dis même toujours aux gens, c'est que c'est pas difficile d'être original. Étant donné qu'on est tous différents, il suffit juste d'être soi-même. Si on ose dire ce qu'on est vraiment, on est tous différents. Ces gens qui cherchent à être original, c'est une imbécilité. On est à la fois, d'abord personne n'est très original, parce que malgré tout, les êtres humains se ressemblent avec leurs faiblesses et leurs qualités. Mais je veux dire, on est tous très singuliers, si on s'intéresse vraiment à la vie des gens. Et donc, il n'y a pas à chercher à être original. Tous ces gens de l'art contemporain se masturbent la tête, si je puis dire, pour essayer de faire un truc qui n'a jamais été fait. Ça, c'est typique. Alors, ils en souffrent beaucoup, oui, mais ça déjà, il faut que je trouve mon truc. Mais c'est imbécile, il suffit d'être soi-même. Et en fait, on n'ose pas être soi-même. Et ça, c'est ce que dit très bien Jung, le psychanalyste le plus artiste. Il dit qu'on est toujours prisonnier de ce qu'il appelle la persona, c'est-à-dire le personnage social, le faux moi qu'on a créé en fait pour ne pas déplaire à la famille, à la société, pour être un peu conforme, etc. Et qu'on finit par s'identifier à cette espèce de masque, alors qu'en réalité, le vrai soi, comme il l'appelle, il a raison, c'est être tout simplement soi-même, et c'est ce que Verlaine, le poète, disait, « Mais mon pauvre garçon, être artiste, c'est être absolument soi-même. » Et moi, je dis, c'est le « absolument » qui compte, parce qu'être à moitié soi-même, c'est pas être soi-même, mais il faut l'être totalement, c'est-à-dire si vous avez une bizarrerie, effectivement même un peu honteuse, et bien ça fait partie de vous. Et donc il faut être absolument soi-même. Et du coup, et puis la nature nous a fait comme ça. Donc c'est pas difficile d'être un artiste original. Tous les artistes, tant qu'ils n'ont pas trouvé leur chemin, ils ont des périodes de dépression suicidaire, ou peut-être pas aussi fortes, mais de doute sur eux-mêmes, en tout cas terrible. Parce que quand vous n'avez pas commencé votre œuvre, vous ne voyez pas encore quel est votre chemin. Par un écrivain, tant qu'il n'a rien publié, rien écrit, il se sent un écrivain, mais il peut se sentir un raté un jour sur deux parce qu'il n'arrive pas à publier. Il n'y a pas que le normal et le pathologique. On considère que supporter une société qui est souvent insupportable, c'est être normal. Mais le créateur, il a un besoin d'expression en lui, il n'arrive pas à l'exprimer ou il a du mal, donc il n'est ni normal ni fou. Or, on fait toujours comme s'il n'y avait que le normal et le fou. Alors les psys, s'ils étaient intelligents aujourd'hui, devraient avoir une case spéciale quand ils ont affaire surtout à des gens jeunes pour essayer de reconnaître par instinct, tiens, ça c'est un jeune homme et c'est une jeune fille qui n'est pas du tout schizophrène ni bipolaire. C'est quelqu'un qui a une graine de créateur qui n'a pas encore trouvé son chemin ni stabilisé son équilibre par rapport à ça. Parce que vraiment, c'est aussi simple que ça.
on voit tout de suite, c'est pas quelqu'un qui va l'achever, c'est pas ça. Il faut l'aider à consolider son chemin, à prendre confiance en lui dans ce chemin et à comprendre qu'il n'est pas comme tout le monde. Or, ne pas être comme tout le monde ne veut pas dire être fou ou être malade. C'est ça qui est important. Notre société a beaucoup trop développé l'aspect technique et scientifique au détriment de l'autre. Ce que Blaise Pascal, le philosophe, appelait l'esprit finesse, l'esprit de géométrie. Mais l'esprit de finesse, c'est-à-dire l'intuition des choses, qui est le propre justement des grands artistes comme Chaumont, tout ce qu'il a fait, c'est par intuition instinctive. Ces gens-là ne l'ont pas du tout, ils ne l'ont pas développé. Donc ils ne savent pas le reconnaître. Alors pourtant, c'est simple. Moi, je viens d'une famille de scientifiques, c'est vraiment... Les scientifiques n'ont pas le feeling de ce qu'est l'artiste.